Allô? Ouais, ça va bien? C'est Marco. Il y avait une boîte là qui fait des lampes là qui nous avait appelé pour qu'on place une lampe là dans nos vidéos. Voilà, tu t'en rappelles, ouais, je t'en avais parlé. Ben c'est bon, ils ont envoyé la lampe, on l'a reçue. Ah ben c'est Olight en fait. Olight, bon, c'est une marque genre des lampes un peu tactiques et tout, qui éclaire de ouf. Franchement, je l'ai regardé, je l'ai testé, c'est une lampe de ouf quoi. J'ai même pas ouvert la lampe. Ouais, on l'a reçu, mais par contre, il l'a envoyé chez moi, quoi. Du coup, je me disais comme ça, en passant, que bah, franchement, pour moitié prix, je te la filais, quoi. Enfin, allô? Allô? Le collector, il est là. Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Cap Division. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo de lecture. Et la première vidéo de lecture qui est sortie il y a quelques mois de ça, La pêche et les poissons avec le fameux Monsieur Rouvière. À Rouvière qui assurait sa face. C'était l'histoire du record du monde. Vous la trouvez sur notre chaîne YouTube. À la suite de la vidéo, dans l'espace commentaire, vous avez été très nombreux à demander une autre vidéo de lecture. Elle est là aujourd'hui. On va s'attaquer à une nouvelle revue rétro, à une nouvelle revue vintage, à une nouvelle revue collector, une revue de collection. Le premier numéro de Carte Magazine qui est sorti en 1992. Oui! Oui! Alors, Carte Magazine numéro 1, la revue du carpiste français et européen. Là, on n'est pas sur la revue du carpiste de la région, hein? Là, on est sur la revue du carpiste français et européen. Ça donne soif, et oui, c'est bien un verre Pokémon Salamèche. Vous êtes jaloux, je le sais. Alors, commençons la lecture de Carte Magazine. Je vous le rappelle, c'est un collector. C'est le numéro 1, 1992. Si je me trompe, si je fais des erreurs, l'espace commentaire est là. Les plus belles carpes de l'Hexagone. Là, c'est pareil, on n'est pas en train de parler de la plus belle carpe de l'étang du coin. De l'Hexagone, mon pote! Comment pêcher le lac de Saint-Cassien? Moi qui ai fait 10 jours capot là-bas, ça va bien m'aider sur... Déjà, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que l'autre là, il est torse nu avec sa grosse carpe. On voit qu'il a pris un gros coup de soleil. C'est rouge. On voit, tu vois, c'est pas le coup de soleil. Genre, t'as pris le coup de soleil, ça fait 2 jours, c'est rouge, c'est rouge. C'est genre le coup de soleil, ça se voit qu'il a passé la journée au soleil. À Saint-Cassien en plus, ça tape, reflet de l'eau, tout ce que tu veux. Et là, tu vois, c'est une belle couleur écrevisse, Saint-Cassien, tu vois. Et le soir. Ça va gratter, là ça va brûler, il sait pas encore, hein. À sa tête, il est là. J'ai fait une grosse carte. Ça va brûler, mon pote, ce soir. Ce soir, ça va brûler, mon gars. Vous avez bien cramé sur les épaules et ça fait mal. Ah, mais mon gars, ça va brûler. Et toi, qu'est-ce que tu me fais? Gros ferrage. Le rod pod, il est magnifique. Là, on est sur du old school, on est sur du vintage, on est sur du rétro. Le rod pod, mon gars, c'est 2 trépieds. C'est énorme. Surtout, sa dégaine, elle est magnifique. Genre, les cuissardes, bon, ça, c'est pas mal. Mais le petit haut de survêt old school à bande, ça, à vue d'œil, hein. On le voit pas, hein. On le voit pas, mais ça, je le sens. Ça, c'est du Takini, ça. Takini des années 90, ça se voit avec sa petite coupe là. Énorme. 30 francs. 4,57 €. Alors, c'est parti, on ouvre. J'ai très, 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 très peu lu. Je l'ai feuilleté très vite fait. On le découvre ensemble. Éditorial de Christian Gustin. Je vous en lis un petit bout. Je lis parfois, ça et là, dans les revues halieutiques françaises, que la pêche se porte mal. Que le nombre de pêcheurs français encartés ne cesse de diminuer. À ceux qui se plaignent, j'ai envie de dire élevez le débat. Prenez de la hauteur. Tournez-vous vers l'Europe. C'est un édito politique d'entrée. À ceux qui décident, je dirais, dépêchez-vous de nous accorder la pêche de nuit afin de stopper l'hémorragie. Il a 2 doigts de se mettre un kéfier et d'aller en manif, mon gars. Plus de 7000 carpistes en France, 20 000 en Hollande. Incitez à comprendre la carpe avant d'essayer de la pêcher. Attachez vos ceintures. De bêtes chères et bonne pêche. On va s'y attarder un petit peu sur cette phrase de fin. Alors, attachez vos ceintures de bêtes chères. C'est pas possible. C'est quoi cette blague? Et après, il dit bonne pêche. Il dit bonne pêche. Je suis de la team, tu peux dire bonne pêche. Pas de problème. Et donc là, on voit hein, Carte Magazine numéro 1. C'est le tout premier. C'est le tout premier. Le pêcheur du mois, Christian Nierfex. Il pose avec une carpe de 26,8 kg et on peut tout de suite remarquer, non pas la belle carpe, mais cette magnifique moustache épaisse avec cette petite coupe endiablée dans le vent. C'est magnifique, petite lunette fumée old school des années 90, un peu brillante, avec le fumage marron, mais c'est magnifique. Il a la tête de fait entrer la QC.
premier meeting international de la carpe se déroulera les 2, 3 et 4 octobre 1992 au restaurant Les Bois de Caillan chez Gérard Thévenot sur les bords du lac Saint-Cassien dans le Var 83. Des projections de films vidéo, des diaporamas seront présentés et des débats organisés par les meilleurs carpistes européens. C'est énorme, je sais même pas si ça se fait encore ça. C'est une sorte de rencontre abonnée de l'époque. Le calendrier des enduros, pêche de la carpe de nuit, des adresses. En 1992, la carpe de nuit, c'était la misère pour trouver un secteur. Les adresses des clubs français, nouveauté sans sas, Kevin Madoc signe chez Shimano. Kevin Madoc donne nous tes trucs et astuces pour être sponsorisé. Le der des der, le petit jeu de mots. Le lac du Der dans la Marne est en passe de détrôner Saint-Cassien. Qu'est-ce que c'est que cet article? C'est l'avis de nombreux carpistes anglais et hollandais qui l'ont pêché ces derniers mois. Alors moi, je vous dis tout de suite, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a moins de kilomètres à faire. Eh ouais, mon gars. C'est plus proche de la Hollande et de l'Angleterre. Parce que pour aller à Saint-Cassien, les Anglais et les Hollandais se tapent 4 jours de voiture. Alors pour aller au Der, ils s'en tapent que 1 ou 2. C'est des crevards, ils veulent, c'est parce que l'essence est chère. C'est pour ça. Là, je vous ai démasqué. Oui, le Der, c'est mieux que Saint-Cassien. Non, pas du tout. C'est que tu veux moins payer d'essence. Dis-le, dis-le. Les adresses des clubs français, les adresses des clubs de carpistes de France. Connaissez-vous le bug? Mais c'est pas vrai. Mais c'est énorme. On parle du bug. Le bug, c'est juste à côté de chez moi, c'est ma région. C'est dans cette ville... Alors là, je lis. C'est dans cette ville du Périgord noir. Mais oui, il n'y a qu'un seul Périgord, c'est le Périgord noir. Dans cette ville du Périgord noir, que l'on peut admirer le plus grand aquarium privé d'Europe, des aquariums géants d'une capacité de 2000 tonnes d'eau où s'ébattent paisiblement des centaines de silures, brochets, cendres, truites et autres poissons blancs dont des carpes et des carpes coilles, bien sûr. Mais oui, tous les ans, je vais les voir, ces petites carpes coilles. Oui, l'aquarium du Bug est installé et éclairé à ciel ouvert. C'est énorme, il parle de l'aquarium du Bug. Non mais c'est trop la classe. Mais 2-4, mon gars, Nouvelle-Aquitaine, on est dans la place, ça représente fort. Les adresses des clubs de carpistes. Il y avait une chance sur 1 milliard pour qu'ils parlent d'un bled qui est à côté de chez moi. Des cannes, le nouveau détecteur Carp Sounder, 600 mètres carrés de pêche silure. Le numéro de téléphone n'avait que 8 chiffres. Old school. Mirage et miracle de Saint-Cassien. Ah, toi, t'as pas pris de coup de soleil, ça va. Le lac de Saint-Cassien est indéfectiblement lié à l'histoire de la pêche moderne de la carpe. Paradoxalement, depuis sa redécouverte dans l'Hexagone en 1985, grâce aux articles d'Henri Limousin dans La pêche et les poissons, la famille, Monsieur Rouvière. Peu de carpistes français, excepté les locaux, sont venus y tenter leur chance et surtout y ont pris du poisson. Et ouais! Qu'est-ce que c'est ça qui pendouille derrière, monsieur, là? Est-ce que ça serait pas une... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, là, ces trucs-là qui dépassent derrière, là? Une couette, c'est pas une couette. C'est un mulet. Est-ce que ça serait pas un petit mulet que je verrais derrière Thomas? Thomas Flogger, est-ce que c'est pas un petit mulet? Carpe de 27 kilos capturée en 1990. Eh ben, elle est belle, ta carpe. Franchement, lourd, Thomas Flogger. Eh ouais, mon gars. Là, on n'est pas sur du pimpoy, là. Les lignes sont déposées en bateau, parfois à plus de 100 mètres du bord. Sale! Donc là, il y a le plan du lac de Saint-Cassien. Comme beaucoup de carpistes qui se sont frottés au lac, Gérard a un avis bien personnel sur le matériel à utiliser. Canne de combat de 2 livres 3 quarts à 3 livres, en 3,60 m ou 3,90 m, voire plus, avec un nombre suffisant d'anneaux. On est vraiment sur du old school. Là, c'est Gérard Thévenot qui parle. On voit vraiment qu'on est en 1992, parce que les cannes de plus de 3,90 m, ça se fait quasiment plus. Tout le monde est en 9 pieds, en 10 pieds, on est sur des cannes toutes petites. 2 livres 3 quarts à 3 livres. Maintenant, on est sur des cannes de 3 livres et demi, 4 livres. Il y a même des 10 pieds en 5 livres pour bourriner. C'est plus la même pêche. Maintenant, le but, c'est d'avoir des gros anneaux et d'en avoir le moins possible. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, ça n'a rien de marrant. Mais c'est intéressant de voir l'évolution un petit peu de la pêche de la carpe. On le voit, hein, 1992, c'était pas du tout pareil. Attractant. Pour ou contre? Alors, les attractants... c'est pas forcément un dossier qui va m'intéresser, les attractants. 7 gestes clés à respecter pour devenir un vrai carpiste. Carpe Junior, c'est les tutos de Carpe Division de l'époque qu'on a devant nous là. Repérer, amorcer, bien lancer et positionner les lignes appâtées. Et oui, ça sert à rien de lancer une ligne qui n'est pas appâtée. Ferrer et travailler la carpe sans brutalité. Cette veste est vraiment old school. Oh là 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 là, j'avais pas vu. Lourd! Oh là, je les kiffe de fou, j'en avais, mais pourquoi? Je sais plus où ils sont. Les écureuils old school comme ça, vintage, rétro, mais faut que j'en retrouve. C'est trop la classe.
Dites-le moi si vous avez connu ça. C'était un tube métallique que tu plantais dans le sol et dessus il y avait une sorte de petit poids en plastique. Tu le sortais du tube métallique, tu rentrais ton fil, bloup, tu le renfilais sur le tube et quand ça partait, le fil il se tendait, pouf. Ah, il m'en faut, il faut que j'en retrouve. Oh, c'est trop old school, c'est rétro de fou ça. Au niveau du matériel un peu rétro, je pense que c'est ce qui est le top 1 pour moi ça. Oh là là, c'était fou. Et puis c'était le poisson sans paniquer ni l'effrayer. Décrocher le poisson de l'hameçon avec dextérité. On a fait une vidéo sur le no-kill sur cette chaîne, tu peux aller voir. La manipuler et la photographier sans l'abîmer. Respecter et relâcher la carpe sans la stresser. Carpe junior, la carpe au bulle d'eau énorme. La pêche de la carpe au pain en surface est une pêche à vue qui te procurera des émotions inoubliables. C'est clair que pêcher les carpes au pain, c'est énorme. On a une vidéo là-dessus également. Tu trouves tout ça dans la description. Elle nécessite l'utilisation d'une ligne bulle d'eau et se pratique dès juillet-août au moment des fortes chaleurs quand les carpes se prélassent sur les hauts fonds, nageoires dorsales presque hors de l'eau. On procède de deux manières en utilisant soit une canne télescopique assez longue de 5 mètres ou 6 mètres, 5 mètres ou 6 mètres... Mais non, mais là, c'est là qu'on voit encore la différence. La canne avec laquelle je pêche au pain, c'est une 6 pieds. C'est une 6 pieds, elle est grande comme ça, là. Eux, ils utilisent des cannes de 6 mètres. C'est vraiment pas la même époque. Hein. Alors là, par contre, le photomontage est complètement fou. Qu'est-ce que c'est, là? Quand t'as raté les cours de Photoshop de découpage, ils ont mis la carpe dans les rochers. Salut, c'est Roberto. Dans cette vidéo, on va voir comment détourer des images dans Photoshop. Linda Plummer pose près d'une carpe de 20 kg prise au maïs doux par Dev. Ça veut dire qu'ils pêchent pas ensemble. C'est genre, c'est lui qui pêche, il l'a donné à sa femme, il a bien dit au reporter. Et dans le Carpe Magazine, vous direz que c'est moi qui l'ai pêché, pas ma femme, hein, déconnez pas. C'est vraiment, c'est abusé, 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 c'est abusé. Après 40 minutes de combat, la carpe se débat encore dans le filet de pesée. Elle tient sa dorsale fièrement dressée et donne des coups de boutoir dans le vide. C'est une carpe sauvage qui n'a jamais vu de pêcheur auparavant. Linda tremble d'émotion en prenant les photos pourvu qu'elles soient bonnes. Et arrêtez avec Linda, elle sait faire des photos. C'est complètement fou. Alors, les îles Canaries, il faut prendre l'avion? Oui? Eh bien, on n'ira jamais. Allez, on passe. Carpe pratique. La pêche de la carpe en rivière. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. En plus, c'est du lourd, mais... Ouah, il a un kikibot, mais regardez ça. Gars, il pêche de sa barque. On le voit très bien qu'il a fait une petite installation. Il a mis un petit bout de planchou, là. Il a mis un bout de planchou. Il a mis ses détecteurs vissés dessus. Il pêche en kikibot. Il pêche en bateau cabine, mon gars. Mais qui c'est ce type? Il est trop fort, je te kiffe. La pratique de la pêche de la carpe en rivière requiert une bonne connaissance des mœurs de la carpe sous peine de se révéler hasardeuse. La taille et la défense des poissons y est stupéfiante et n'a d'égal parfois que leur naïveté face aux nouvelles techniques. Il serait dommage de se priver de nombreuses captures à cause d'une approche erronée de ce milieu. Dominique Audiguet a donc recensé pour vous les postes clés, gage d'une pêche réussie. Mec, Dominique Audiguet t'assure trop ta face sur ta barque en bois. Trop la classe, il pêchait avec un kikibot. Je te kiffe. C'est cool, c'est un petit article sur la pêche de la carpe en rivière. Ça, je valide fort. Grosse validation. Un truc à remarquer, depuis le début du magazine, qui comporte combien 45 pages, on est à la page 32, il n'y a pas eu de pub. Non mais c'est vrai, normalement il y a des pubs dans les magazines. Cette moustache, mec. Carrément incroyable, mec. Mec, ta moustache, je la kiffe. En plus, il m'a fait la doublette, moustache mulet, cheveux longs derrière. Non mais c'est énorme. Les années 90, c'était fou. Je tourne une page, une moustache. Je tourne une page, une moustache. Une page, une moustache. Une page, une moustache. C'est énorme. Regarde, moustache encore. La moustache, elle est pas taillée là et elle pousse un peu sur la lèvre. Là, c'est magnifique. Mais quelle classe avec sa fronde. Oh là là, mais c'est énorme. Je suis comme les enfants, je regarde que les images. Ogandish, avec la petite coco des familles. Et encore, on retrouve
Ces écureuils old school là, non mais c'est énorme, mais c'est énorme, il en faut, j'en reveux des écureuils comme ça, j'en reveux. Entretien avec Rod et Annie Hutchinson. La classe, vraiment la classe. Là j'ai rien à dire, pas de moustache, pas de mulet, Rod. Tu es le carpiste anglais le plus connu en France. Qu'as-tu à dire aux carpistes français ? Les carpistes français que j'ai rencontrés sont enthousiastes et avides d'apprendre. Pratiquement tous remettent leurs carpes vivantes à l'eau. Je voudrais toutefois dire à la minorité qui tue les carpes pour en faire des trophées qui se trompent. Ils prônent pour le no-kill. En gros, il dit que les Français ont tué les carpes. Mais on tue pas les carpes, arrête ! En 92 peut-être. Alors, je suis certain que des carpes de plus de 40 kilos existent en France. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, seul le lac de Saint-Cassien est capable de produire des carpes de 40 kilos. Je suis toutefois persuadé que de telles carpes existent dans les fleuves et les rivières de France. Rod, il le dit, dans les rivières, il y a du 40 kilos. Regardez-moi, il y a encore les écureuils, là. Combien il y a d'anneaux, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anneaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est canne ! C'est old school, ça a vraiment changé le matériel. C'est un truc de ouf. Les anneaux, c'est des anneaux de 30 au départ. Par contre, ces écureuils, une beauté. Belle carpe en hiver, oh là là, qu'est-ce que je vois direct. Et moi je commente les images, je lis même pas quoi. C'est un truc de... Je vois un anti-emmêleur rigide, mais je pêchais avec ça quand j'ai commencé la carpe, c'est énorme. En plus je pêchais fil tendu, ça devait faire un grand anti-emmêleur bien tendu comme ça, un gros truc bien dur, n'importe quoi. On faisait du poisson quand même. Envoyez-nous les meilleurs clichés de vos plus belles prises, nous les publierons chaque trimestre. Les carpistes, ils envoyaient leurs plus belles photos par la poste et ils étaient publiés. Maintenant, comment ça se passe ? Tu vas sur Instagram, tu partages ta photo avec le hashtag CarpDivision et nous on la republie. C'est le hashtag CarpDivision de l'époque en fait. Oh mais non, mais les photos, mais elles sont trop belles. Mais les années 90, c'est la folie. Mais oui, numéro 8, c'est toi qui as tiré le gros lot, on va s'attarder sur toi, je suis désolé. Hein. Cette pose est énorme. T-shirt rose avec slibar, le slibar de bain. C'est pas possible de faire une photo en slibar. Oh là 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 là, mais quelle photo. Merci les années 90, merci. Non, mais ces écureuils, je les kiffe trop. Elle est là, la page de pub. Parole de Carpe, sans ça se connaît notre péché mignon. Au royaume de Dame Carpe, on ne fait pas toujours attention à sa ligne. Plus on est grosse, et plus on devient gourmande. Plus on est grosse, et plus on devient gourmande. C'est pas possible. Ainsi, on ne refuse pas certaines petites fantaisies, genre chocolat fraise, crème, bergamote, sans sas le sait, et les prépare juste à notre goût. Alors, quand c'est sans sas, comment résister? J'adore les pubs, ça me fait trop rire. Oh là, ce coup de soleil, mec. Carpe Magazine numéro 1, j'en ai plein encore à lire. Hein. J'ai le Carpe Scène numéro 1, j'ai le Carpe Starter numéro 1, le Pêche Record numéro 1, j'ai la nouvelle série Mediacarp numéro 1, j'ai plein de numéro 1 à lire encore. Si tu veux continuer de regarder les images avec moi, tu le dis en commentaire. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout, garde dans un coin de... Non, c'est vrai que ça doit normalement. Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish. À vous les studios. C'est pas possible, c'est bon.